This is all I see. Oh. Salut les gars, King Rico X. Pour vous parler d'un battle qui s'appelait Back to the Roots le 30 novembre au Havre, organisé par Toretto Pop. Big up à lui. Voilà, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est un truc où on va revenir à la base du hip-hop, à la source. Tu vois. Et voilà, donc les jeunes, si vous voulez venir, venez, c'est le 30 novembre, c'est au Havre, dans une très belle salle. Plus d'enseignements sur Facebook, vous trouverez sur la page de l'event, Back to the Roots, je répète. Et aussi pour dire que le hip-hop, pour moi, a beaucoup changé. Il y a des gens qui sont underground, sont très très bien, dans le beatbox, dans le DJing, du graffiti, de la danse, etc. Il y en a d'autres, ils font des pièces théâtrales, des cabas, les Ezra, LOS, d'autres comme ça. Et d'autres, comme moi, sont voilà, restés dans la Zulu Nation, dans le côté base street, qui sont là de temps en temps, qui surveillent, qui regardent un peu ce qui se passe autour, qui voient qu'il y a des nouveaux, qui veulent devenir Zulu. Les gars, pour devenir Zulu, il faut avoir les bonnes valeurs. Je vous le dis tout de suite, c'est pas comme ça qu'on devient Zulu, ok? Donc, et voilà. Donc, pour ça, moi je dis big up à Toretto Pop, l'organisateur de Back to the Roots, le 30 novembre. Big up! Avec un peu de chance, peut-être que j'y serai. On sait pas. Surprise, 30 novembre, les Havres. Le Havre, pardon. Attends pour moi. Le Havre. Et moi, je vous dis big up au hip-hop et longue vie. Yeah!